Plus on est fou, plus on lit, c'est encore nous Ici, Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal, à la 60e minute de cette émission, nous retrouvons sur ce plateau Thomas Leblanc. C'est toujours bonjour là Thomas. Oui. Et nous accueillons les collaborateurs de cette deuxième partie de l'émission. Georges Leroux, d'abord professeur émérite au département de philosophie du CARM. Bonjour, Georges. Oui, bonjour. Et votre collègue, Dario de Fashion Dis, que vous nous avez amené aujourd'hui, auteur et professeur de philosophie au CGEP Édouard-Montpetit. Euh, bonjour, Dario. Bonjour. Alors, vous, vous connaissez très bien l'œuvre d'Anna Arène. Vous avez participé d'ailleurs à un collectif. Au sujet de ses écrits. Georges, vous citez souvent Anna Arendt, vous en parlez avec le plus grand des engouements, cette philosophe allemande qui a beaucoup réfléchi au totalitarisme, et on vous a demandé à tous les deux de relire dans votre cabriolet. Pour la première fois, Georges, une conférence, en fait, qu'elle a prononcée aux États-Unis à New York en 1954. La nature du totalitarisme, ses propos au sujet du totalitarisme reviennent évidemment au cœur de l'actualité. Ses livres se vendent à nouveau sur Amazon, notamment à cause, bien sûr, des pouvoirs d'Erdogan en Turquie, d'Orban en Hongrie et de la manipulation de l'information qui a cours aux États-Unis à l'heure actuelle. En quoi ce que dit Ada Arendt est pertinent aujourd'hui, Dario? Mais elle est pertinente d'abord dans les faits de pouvoir comprendre qu ce qui se passe actuellement oui. euh, de faire les distinctions nécessaires de ne pas faire de la confusion euh, très important et de ne pas euh, arriver à des conclusions trop vite par rapport à, aux événements actuels. Bien oui, on compare beaucoup, par exemple, Trump à Hitler. Euh, évidemment, le discours d'Arendt peut nous permettre de faire des nuances et de décortiquer la manière aussi, Georges. Moi, pour dire la vérité, oui. ce n'est pas seulement Arendt qui est têté par l'expérience Trump. Tous les théoriciens que je lis, euh, je les confronte au caractère inexplicable et unique de ce dont on est témoin dans le, le régime Trump. Euh, regardez juste le mépris de la presse. Ah, évidemment, Arendt a quelque chose de très précis à dire là-dessus, oui. sur le mépris de la presse. Mais il y a tant d'aspects du gouvernement Trump qui demandent à être expliqués. Euh, on, est, on est complètement désemparé. Donc, Arendt est très utile. Voilà, merci à tous les deux. En 1954, la philosophe allemande Anna Arendt prononce une série de conférences intitulées La nature du totalitarisme à New York, notamment ce texte qui a été publié en français bien après sa mort en 1990, refait surface et redevient très pertinent à la lumière des pouvoirs d'Erdogan en Turquie, de Viktor Orban en Hongrie et la manipulation de l'information aux États-Unis. Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'UCAM et Dario Desfachendis, auteur chargé de, euh, professeur de philosophie au cégep Édouard montpetit on vous a demandé à tous les deux de faire l'exercice de relire ce texte. Dans votre cas, Dario, vous l'avez carrément relu parce que vous le connaissiez déjà. Georges, c'était la première fois que vous lisiez ce texte d'Anna Arendt, qui est une philosophe que vous respectez énormément. Pourquoi, Georges? Je, je me trouve un peu en défaut par rapport à ce texte-là parce que, compte tenu qu'il est à l'ombre de du grand opus qui s'appelle Les origines du totalitarisme. Oui. Euh, je crois qu'on on le néglige indûment. Euh, je dois dire très franchement que c'est un texte qui est absolument magnifique, encore que sa première partie soit un peu euh, confuse. Pourquoi il faut euh, revenir à Anna Arendt eh bien parce que d'abord, euh, elle est l'exemple du courage intellectuel. Euh, c'est elle qui, euh, à travers une œuvre très abondante, euh, a traversé les années les plus sombres oui. de l'histoire de l'Europe. Elle est née euh... en 1906 à Hanovre, d'une famille juive, oui. aisée. Elle va étudier à Heidelberg avec votre grand maître, d'ailleurs, Kibansky. Oui, ils étaient dans la même oui. classe. Tous les deux absolument euh, amoureux de leur maître, en fait, Karl Jaspers. Euh, et elle va maintenir avec Karl Jaspers une euh, correspondance qui va durer toute sa vie, mmh. en même temps qu'avec Heidegger, ben qui oui. était, lui, plutôt en dispute avec euh, Jaspers. Il y a quelque chose chez Arendt qui est extraordinaire de ce point de vue-là parce qu'elle était capable d'une double fidélité, fidélité à quelqu'un qu'elle respectait entièrement et quelqu'un dont elle avait été amoureuse alors qu'elle était Heidegger. Heidegger. Oui, oui. Donc c'est un amour absolument somptueux euh, que, que, que Heidegger bon, il y a des lettres qui en attestent. Oui, oui et puis en même temps euh, évidemment une grande fissure dans cet amour-là, on peut le supposer poser parce qu'Heidegger a collaboré au régime nazi oui, alors qu'elle elle oui. a dû fuir oui. en 33 à cause de son de sa culture, de sa religion juive oui, et va oui. finir par vivre aux États-Unis oui. ou avoir une carrière d'universitaire absolument flamboyante. George, mais vous nous disiez hors micro qu'elle n'a jamais voulu se définir comme une intellectuelle. C'est intéressant quand même, ça. Non, parce que quand on regarde son œuvre, en fait, le, le trait le plus saillant, c'est que c'est une œuvre qui est absolument dépendante de l'histoire et de la circonstance. C'est-à-dire qu'elle oui. n'a. Elle a maintenu c'est vrai toute sa vie un journal qui s'appelle journal de pensée dans lequel on découvre qu'en fait elle avait une ambition philosophique qu'elle ne va réaliser que dans son tout dernier écrit sur le jugement et la vie de l'esprit. Mm -hmm. Mais ce projet, elle l'a tenu en quelque sorte euh, caché, euh, c'était pas ça du tout à quoi consacrer son énergie publique, son œuvre est plutôt une énergie qui est consacrée au à l'événement, l'événement du siècle, le nazisme bien sûr et le totalitarisme. Ben voilà, donc euh, évidemment par la vie qu'elle Eu, Dario De c'est une femme qui a été victime des pouvoirs totalitaires qui étaient très en vogue dans l'Europe des années 30. Il y avait Hitler, mais il y avait aussi Mussolini, ce qui fait que plus tard, elle va beaucoup réfléchir et écrire là-dessus. Alors, ce, ce texte, cette conférence qu'elle a prononcée en 1954, euh, La nature du totalitarisme, qu'est-ce qu'il contient comme savoir qui peut être pertinent aujourd'hui, Dario euh, Ce qu'il contient, qui peut être euh, pertinent aujourd'hui, comme je le disais en l introduction oui. de l'émission, c'est que et, nous permet de faire des distinctions claires de bien comprendre de quoi on parle quand on parle du totalitarisme et ça c'est une exigence philosophique élémentaire. Bon, de quoi euh... on parle quand on parle de totalitarisme Mais Quand on parle du totalitarisme, un mot qui on parle, à on parle la raison, oui, exactement, on parle ouais. d'un système qui est tenu ensemble par des principes très euh, très forts et qui ne doit pas être confondu avec toute forme de tyrannie des despotisme ou euh, d'autoritarisme. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est alors le totalitarisme? Ben, d'abord, vous avez un graphique devant oui, vous, Qui montre justement oui. euh, la relation qu'il y a entre les différentes sphères oui. du totalitarisme. La première chose, c'est que le totalitarisme se fonde sur l'idée qu'il existe une loi, une loi supérieure qui est indépendante de la volonté humaine. C'est soit la loi de la nature pour le nazisme, c'est-à-dire la race, ou la, la loi de l'histoire pour ce qui concerne le marxisme, le oui. stalinisme. Oui. Et donc ces lois-là, elles n'ont rien à faire de la loi telle que nous la considérons dans nos sociétés. Donc au-delà des institutions. Euh, au-delà des institutions, voilà. au-delà des tout ce qui pourrait éventuellement euh, causer une, euh, un ralentissement de la mise en place oui. de cette loi. Oui. Et c'est pour ça que les totalitarismes, c'est les mouvements perpétuels. Les mouvements perpétuels de quoi De la mise en œuvre de cette loi. Et dans ces mouvements perpétuels, vous avez un élément qui est fondamental dans les totalitarismes, c'est l'idéologie alors pour Anna l'idéologie ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude c'est une idée qui a à sa, à sa racine un principe dans ce cas-ci pour le nazisme le racisme l'eugénisme l'eugénisme oui. si vous voulez oui. et cette idée est amenée à son euh, à, à, à sa conclusion logique ultime sans tenir compte de la réalité qui pourrait éventuellement lui euh, opposer des faits qui démontreraient qu'elle n'est pas juste elle n'est pas vraie oui. alors oui. à ce niveau là l'idéologie qu'est-ce qu'elle fait elle fait que puisque la réalité très rarement répond à l'idéologie et euh, elle s'est plie rarement à, à, à cette forme de pensée, et bien plutôt que d'échanger l'idéologie et euh, pour abandonner euh, ce qui est contradictoire oui. avec oui. la réalité, on détruit la réalité. Alors, le principe du totalitarisme est un, est un principe de destruction radicale parce qu'elle n'accepte aucune contradiction au sein de la réalité. Alors, dans ce discours, euh, Georges Leroux, moi, j'ai noté des choses qui m'apparaissent euh, très éclaircissantes. Euh, elle dit euh, c'est l'élite et le mob. Le mob, c'est ce qu'on pourrait traduire comme étant la mafia qui souhaite le totalitarisme. Le peuple, lui, doit être convaincu par la propagande. Oui. Affirmation intéressante. Oui, mais justement, cette propagande est nécessaire, comme on l'a vu dans l'exemple de l'hitlérisme, mais aussi du stalinisme, oui. parce que le peuple n'est pas spontanément acquis à l'idée qu'il y a une loi qui dépasse la volonté humaine, comme Dario vient de le dire, oui. que ce soit la loi de la nature pour la race ou la loi de l'histoire pour les classes, la disparition des classes mmh. d'élite. Et donc, cette conviction va être euh, l'objet du travail de la propagande. Oui. Et donc, euh, la propagande va de pair avec un autre système euh, qui est très important, c'est évidemment le système de la police politique, c'est-à-dire de tous les éléments qui vont mettre en place la terreur pour précisément diffuser la propagande, mais obtenir de force euh, un, un consentement. Alors, la description du système, euh, c'est pas pour rien que Dario a fait un schéma, parce que oui. c'est complexe. Oui. C'est un système, tout va ensemble. Euh, Elle dit, par exemple, à narend que la, le, le totalitarisme va figer pour la population, l'accomplissement absolument déterminé de la loi de l'histoire. C'est-à-dire que les individus, finalement, sont livrés à eux-mêmes, ils sont très seuls, il est impossible pour eux de se coaliser pour résister à cette propagande. L'exemple, évidemment, du monde totalitaire comme du monde stalinien, comme du monde nazi, confirme ça. C'est-à-dire que les exemples sont très rares dans l'un comme dans l'autre d'une résistance qui va attaquer la force du, du système. Le courage des intellectuels, celui d'un rennes comme celui de d'autres, est un courage qui demeure limité. Oui. On dit toujours, pour le, le cas de que qu'il euh, y a eu un grand exemple, c'est la famille Scholl, euh, la, le mouvement de la Rose Blanche. On dit toujours ah, comment ça fait que les, les Allemands ne se sont pas euh, révoltés. Mais il y a eu de la résistance en Allemagne. Oui, On en mais parle pas, peu. Pas, mais... Oui, mais oui. Pas, be pas beaucoup. Oui. Il faut quand même le dire. Oui. Euh, pas beaucoup. Et cette, cette analyse est expliqué justement par la lecture que fait Anna Arendt mm -hmm. de l'esseulement, de la solitude, de, de l'atomisation de la société qu'elle considère comme un bon, élément imposant. L'atomisation, ça, c'est un des liens qu'on peut faire avec le pouvoir qui a pris place aux États-Unis. Parce qu'évidemment, les propos d'Anna Arendt, d'Ario de Fashendis, reviennent... Beaucoup, ces livres se vendent de nouveau. Les gens cherchent un savoir, une grille d'analyse pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous dites, méfions-nous des amalgames, mais il reste que la notion du. Bon, par exemple, de la... du contrôle de l'information, c'est une vraie guerre en ce moment qui est menée aux États-Unis. Oui, Quel lien on sûr. peut faire entre ce qu'elle dit, elle, par exemple, sur le mensonge, euh, mm -hmm. et ce qui se passe? Mais le lien qu'on peut faire, c'est que. d'abord... Un système totalitaire n'est pas euh, du rien, il hein, ne surgit pas tout euh, vêtu, si vous voulez, tout mmh. d'un coup. Euh, il, il est euh, le résultat d'un processus historique. Il y a des éléments qui se manifestent à l'intérieur d'une société qui laissent présager éventuellement la possibilité d'une dérive totalitaire. Oui. Alors anna Arendt nous a dit ce qui est arrivé avec le totalitarisme, c'est quelque chose qui était inimaginable. Pourquoi Parce que c'est la sortie de l'être humain de son statut humain. Alors c'est quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, mm -hmm. qui défie toute compréhension. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment euh, porter beaucoup beaucoup d'énergie sur cet aspect, la compréhension de qu'est-ce que c'est. Et au même temps, c'est euh, euh, comment dire un mouvement qui euh, euh, dans, sa, dans, dans, dans a, a besoin de se concrétiser dans des éléments fondamentaux et Georges en parlait oui. la Terreur les camps de concentration donc on est loin de ça on est très on loin de ça. ça mais revenons à mais ce qui se passe autour a, du mensonge oui, il, parle de ça oui, oui il y a un élément elle le dit oui. euh, dans un autre texte elle dit les vrais hommes totalitaires les vrais sujets totalitaires n'est pas les nazis n'est pas les communistes les vrais sujets totalitaires c'est celui qui ne fait plus la distinction entre les faits et la fiction, mm -hmm. c'est-à-dire n'est plus capable d'expérience, et c'est celui qui ne fait plus la distinction entre les vrais et les faux. Mm -hmm. Alors, ça, c'est le cœur du totalitarisme. Évidemment, quand nous regardons aujourd'hui, il y a une forte poussée dans ce sens-là, surtout dans les pouvoirs de Trump aux États-Unis oui. en ce moment, oui. évidemment. Et une chose est certaine, si vous faites sauter les critères des vérités, c'est-à-dire l'idée que quelque part il y a une vérité, plus rien ne tient. Et entre autres choses, l'élément fondamental, c'est euh, un jugement, les jugements éthiques. Je ne fais plus la distinction entre les biens et les mals et je suis prêt à tout accepter. Mais cette chose-là, elle est présente dans notre société, euh, pas juste aux États-Unis, oui. c'est quelque chose de diffus. De qui, latent, hein. oui. Délatant, oui. et qui est le produit d'un système. Qui est le système capitaliste dans lequel on vit en ce moment Oui, c'est ça, parce qu'on va vous écouter aussi, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. On, là, on fait porter à, à un homme qui est devenu président des États-Unis vraiment cette, cette toute cette tendance-là. Mais la vérité, cette désintègre, elle est manipulée depuis très longtemps. C'est pas c'est pas c'est pas nouveau. C'est pas depuis le 8 novembre qu'elle est qu'elle est dans ces dans ces cas-là. Il, il y a tout un système et un terreau qui a, qui a permis neuf, à se pousser. Ce qui est neuf peut-être, c'est la guerre ouverte que même l'administration Donald Trump envers les médias euh, et, et pour Anna Arendt, juste les faits. Elle fait l'apologie des faits, euh, Georges. Je... Oui. Alors, elle, elle dit... C'est un passage du texte qui m'a beaucoup frappé oui. et qui est beaucoup plus clair dans ce texte-là que dans le grand livre Les Origines. C'est l'idée que Dès qu'on entre avec les sciences humaines et la philosophie dans le monde de ce qu'elle appelle les interprétations, c'est-à-dire qu'on se met à dire euh, que, ce que veut dire un fait, alors on perd le fait. Et donc, elle dit, la contribution que moi je dois apporter à la compréhension du totalitarisme, c'est de montrer sa factualité. Par exemple, les nombres, les chiffres, les camps, qu'est-ce que c'était et ainsi de suite. Mm -hmm. Et donc, là, vous avez une comparaison immédiate avec ce qu'on entend tous les jours concernant les États-Unis, c'est-à-dire la négation de l'évidence, mm -hmm. la négation des faits. Les évidences sont là. Je donne juste un exemple parce qu'il est particulièrement choquant oui. euh, et frappant. C'est avant-hier quand on apprend que les budgets que les États-Unis cons consacrent pour l'assainissement des grands lacs vont être sacrifiés mm -hmm. dans le prochain budget Trump. Or, ça nous concerne directement. Oui. C'est l'eau potable de l'Ontario et, et ainsi de suite. Ça concerne aussi, bien sûr, les Américains. Or, c'est au nom d'une interprétation de, de, des changements climatiques, des, des espèces envahissantes dans les lacs et tout, tous ces faits sont comme niés et interprétés à la faveur de leur inutilité. Et ça, ça touche tout ce que l'administration oui. Trump veut nous faire passer comme étant pas vrai ou tout simplement inexistant, alors que Bon, la confiance que nous avons comme démocrates, c'est que la science démocratique, c'est-à-dire la science qui s'en remet à l'expertise, demeure pour nous une science vraie. Mais oui. Mais oui, c'est là-dessus qu'on compte. Nos sociétés oui. sont quand même oui. érigées, oui. Euh, nos démocraties sont érigées sur une certaine notion du savoir avec lequel on s'entend tous plus ou moins quand même, il y a une base là, sur laquelle bon oui. en principe on prend des décisions que oui, devient mais... le citoyen oui. dans un système totalitaire Dario qu des Qu'est-ce qu'il devient ben, oui. D'abord, euh, il perd son statut de citoyen. C'est-à-dire quelqu'un libre de pouvoir oui, participer avec avec ses, ses concitoyens justement oui. aux décisions euh, des sociétés. Alors il perd sa, sa place dans un débat public, il perd sa capacité d'action pour en arrêter l'action politique. Elle est essentielle. Alors euh, les citoyens, qu'est-ce qu'ils deviennent Ils deviennent, Ils deviennent euh, un atome, comme on disait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est C'est la perte. C'est les seuls et mm -hmm. fait bien la distinction ouais. la solitude c'est ce qui nous permet de nous rencontrer nous mêmes et éventuellement nous mettre à la disposition pour une rencontre avec l'autre les seulement c'est être avoir perdu la compagnie de soi même et d'être tout seul, au milieu d'une masse agglutinée. Alors ça, c'est -ce que... l'isolement. Ça, ouais. c'est l'isolement. C'est la différence et... entre la solitude et l'isolement. Voilà. Quel beau passage. Ouais. C'est beau, ah, hein, ça. Ah, c'est ouais. une richesse inouïe. C'est trois, quatre pages d'une force extraordinaire pour décrire ce qui se passe dans une société totalitaire. Et nous, nous le savons, parce que nous avons lu les écrits de ceux qui, comme, je ne sais pas, Solzhenitsyn et tant d'autres, en Mais, ont souffert. C'est ma question, en fait. C'est que les... Est-ce que vous croyez que dans la prochaine décennie, on va pouvoir refonder notre société sans passer par une guerre, une révolution mm. Euh, une idéologie poussée à l'extrême comme le nazisme ou le stalinisme, parce que finalement, ce que ces, ces expériences-là nous démontrent, c'est qu'il a fallu aller au bout d'une expérience très, très, très tragique. Pour refonder la société. Oui, c'est qui est très difficile dans notre situation, c'est que nous faisons la distinction. Nous nous émouvons beaucoup par rapport aux États-Unis, oui. par rapport à ce qui se passe chez nous. Mais un des éléments essentiels de la montée du totalitarisme, c'est la production d'une humanité superflue, une humanité qui n'a plus aucun statut juridique et qui donc est donc laissée à, à elle-même et prête à devenir la victime de n'importe quel pouvoir. Et okay, surtout du pouvoir totalitaire. Eh bien, la crise des réfugiés et tout mmh. ça, ça nous démontre que cette réalité déborde maintenant. Mais il faut aller sociétés. au bout de cette violence-là pour refonder le que non. On espère que non. Elle... Oui, est... non. Georges, on va terminer là-dessus. Oui, elle a dit rapidement que le... ces deux totalitarismes, le nazisme et le stalinisme, n'ont pas connu le... une fin complète. Ce sont pas accomplis absolument. Le, le... le nazisme s'est terminé par l'extermination oui. et il s'est arrêté et le stalinisme a été combattu. Alors que nous, on ne sait pas très bien dans quel processus on s'engage avec ces... Ces... cette crise des migrants, ce refus de la vérité. Sur les natures du totalitarisme, donc ces textes d'Anna Arendt et Publi publiés en français chez Payot. Merci à Georges Leroux et à Dario de Fashion 10. Simon Boulrisse, vous avez un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Le dernier qui sort est à la lumière, c'est oui. Québec-Amérique. <laughs> un livre pour adolescents. Merci à Monique Pollack et à Thomas Leblanc. Merci, Merci. à l'extraordinaire équipe. On vous embrasse. À demain.